Podcast. Soir première. À 17h35, on va s'intéresser maintenant au travail à domicile qui a visiblement le vent en poupe chez nous. Plus 20% de travail à domicile en 5 ans. Avec ceci dit, des disparités assez fortes en fonction des régions et des secteurs, Marie Bourguignon. En 2015, un peu moins de 600 000 salariés ont travaillé parfois ou la plupart du temps depuis leur domicile. C'est 20% de plus qu'en 2010. Le télétravail a donc la cote. Mais les chiffres révèlent qu'on ne pratique pas le travail à domicile à la même fréquence dans tous les secteurs. Près de 30% des salariés du secteur public ont déjà travaillé depuis chez eux ou le font régulièrement, contre seulement un peu plus de 10% dans le secteur privé. Disparité aussi dans les régions. C'est à Bruxelles que le nombre de personnes qui y travaillent depuis leur domicile a le plus augmenté, un peu plus de 30%. Une hausse suivie de près par la Flandre avec une augmentation de 25% des pratiques de travail à domicile depuis 5 ans. La Wallonie, par contre, est à la traîne avec seulement 8% de travail à domicile en plus. Voilà pour ces chiffres. Merci Marie. On va s'intéresser maintenant justement à une entreprise qui a fait ce choix de promouvoir le travail à domicile, le télétravail. Avec nous, la porte-parole d'AG Insurance, et c'est Laurence Keys. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va le préciser, vous êtes justement en télétravail aujourd'hui. Oui. Donc, c'est depuis chez vous que vous intervenez dans Soir Première. Quelle est la part de votre personnel chez AG Insurance qui travaille aujourd'hui à domicile, qui a fait le choix de pouvoir, je crois que c'est un jour par semaine, faire du télétravail? Oui, tout à fait. Alors chez nous, chez AG Insurance, depuis environ 3 ans, un peu plus de 3 ans, on offre la possibilité à nos travailleurs de travailler un jour par semaine à domicile. Alors il y a plus ou moins un peu plus de 90% des fonctions qui permettent le travail à domicile, et sur ces personnes, il y a 70% qui ont fait le choix de faire un jour de télétravail par semaine. Donc à ceux à qui c'est réellement proposé, 7 personnes sur 10 ont fait le choix de prendre cette journée. Quel est l'intérêt pour l'entreprise de proposer cela? On imagine bien que pour l'employé, ça peut avoir pas mal d'avantages. Est-ce que l'entreprise elle-même y trouve son compte? Pour l'employé, d'abord, effectivement, c'est un avantage au niveau de l'équilibre vie privée-vie professionnelle, et le bien-être de nos collaborateurs est quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis au niveau de l'entreprise, en fait, on constatait depuis plusieurs années que dans les entretiens de départ des collaborateurs qui souhaitaient quitter l'entreprise, la principale raison pour laquelle les employés quittaient l'entreprise, c'était la lourdeur des trajets, donc du domicile vers le lieu de travail. Et donc, proposer un jour de télétravail permet à nos employés de garder un certain équilibre. Et en tant qu'employeur, on a un argument en plus pour l'attractivité des gens qui souhaitent postuler chez nous. Mmh, c'est un argument aussi pour le recrutement. Un petit mot de l'organisation. On imagine que si 70% des employés travaillent un jour par semaine depuis chez eux, ça a quand même des implications sur l'organisation du travail, par exemple des réunions qu'on ne sait pas tenir peut-être de la même manière. Est-ce qu'il a fallu organiser le travail différemment? Oui, alors en fait, dans tous nos bâtiments à Bruxelles ont été aménagés de sorte que les réunions, il y a beaucoup de salles de réunion avec écran pour faire des vidéoconférences avec les employés qui sont à la maison ce jour-là. Il y a eu aussi pas mal de formations, des formations des managers notamment, puisqu'on ne gère pas une équipe de la même façon quand elle est sur place que quand elle est un jour par semaine à la maison. Et donc c'est tout un changement de culture qui a mis quand même quelques années. Mais voilà, aujourd'hui on constate quand même les effets sont bénéfiques puisque la lourdeur des trajets, en tout cas, entre le domicile et le travail, n'est plus la principale raison de départ d'AG Insurance. Voilà, donc à ce niveau-là, ça a permis de convaincre le personnel de rester peut-être davantage dans l'entreprise. AG Insurance, donc, dont vous êtes la porte-parole, Laurence Keys. Merci d'avoir été avec nous pour commenter ce phénomène en augmentation, plus 20% en 5 ans de télétravail chez nous en Belgique.